Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo ce qu'est la représentation graphique d'une fonction affine. Alors, une propriété tout d'abord qu'il faut savoir. Dans un repère, la représentation graphique d'une fonction affine, c'est une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des abscisses. Je rappelle que l'axe des abscisses, c'est celui-ci. Donc c'est une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des abscisses. Réciproquement, on peut dire que si on a une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des abscisses, eh bien c'est forcément la représentation graphique d'une fonction affine, et c'est ce que je dis ici. Alors, vous avez une fonction affine, donc, une droite qui passe ou non par l'origine. Alors, quand elle passe par l'origine, eh bien cette fonction, c'est une fonction linéaire. Donc, pour représenter une fonction affine ou une fonction linéaire, il vous suffira juste de prendre deux points.